Bonjour ou bonsoir, c'est Patti Anzambe Queen P, de retour sur le plateau de Congo Synthèse pour une nouvelle émission, Les Merveilles de la Vérité. L'émission vous propose de parler de réalité d'actualité en profondeur, de ce que vous traversez au quotidien ou ce que vous avez traversé, pour venir partager votre histoire, témoigner pour édifier, fortifier les gens. Vous êtes les bienvenus sur le plateau de Congo Synthèse. Si vous êtes intéressé pour venir sur les plateaux de Congo Synthèse, vous êtes les bienvenus où que vous viviez, que ce soit dans Londres ou en dehors de Londres, dans l'Europe internationale. Les Merveilles de la Vérité, c'est pour tout le monde. C'est une émission qui est là pour glorifier Dieu. Là aussi pour essayer de changer d'état d'esprit, pour changer la mentalité, pour aider la communauté. Je propose aux commerçants, aux gens qui ont un talent, aux gens qui souhaitent faire un événement tel que les conférences, les séminaires, venez sur le plateau de Congo Synthèse, vous êtes les bienvenus. Contactez-moi au 073-9318-1118. Si vous habitez en dehors de Londres, vous faites le 00-44-73-93-18-1118. Les Merveilles de la Vérité privilégient la liberté d'expression, mais respectent aussi la vie privée des gens. Si vous voulez venir pour parler de votre vie privée, pour toucher les gens, vous pouvez venir sur les plateaux ou alors rester chez vous à la maison tranquillement. Ça se passe en téléphone, par conférence, live ou enregistré, c'est vous qui voyez. Je vous attends sur les plateaux de Congo Synthèse. C'était Patti Anzambe Queen P. À bientôt, merci. Je viens parler de réalité tout en douceur. Petit à petit, on va rentrer dans la profondeur. On n'est pas là pour caresser dans le sens du poil. La vérité, tu le veuilles ou pas, elle se dévoile. On vient pointer du doigt ce qui se passe dans la communauté. Car le sujet est toujours d'actualité. Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com Bonjour ou bonsoir, c'est Patti Anzambe Queen P, de retour sur le plateau de Congo Synthèse pour une nouvelle émission, Les Merveilles de la Vérité. L'émission vous propose de parler de réalité d'actualité en profondeur, de ce que vous traversez au quotidien ou ce que vous avez traversé, pour venir partager votre histoire, témoigner pour édifier, fortifier les gens. Vous êtes les bienvenus sur le plateau de Congo Synthèse. Si vous êtes intéressé pour venir sur les plateaux de Congo Synthèse, vous êtes les bienvenus où que vous viviez, que ce soit dans Londres ou en dehors de Londres, dans l'Europe internationale. Les Merveilles de la Vérité, c'est pour tout le monde. C'est une émission qui est là pour glorifier Dieu. Là aussi pour essayer de changer d'état d'esprit, pour changer la mentalité, pour aider la communauté. Je propose aux commerçants, aux gens qui ont un talent, aux gens qui souhaitent faire un événement tel que les conférences, les séminaires, venez sur le plateau de Congo Synthèse, vous êtes les bienvenus. Contactez-moi au 073-93-18-1118. Si vous habitez en dehors de Londres, vous faites le 00-44-73-93-18-1118. Les Merveilles de la Vérité privilégient la liberté d'expression, mais respectent aussi la vie privée des gens. Si vous voulez venir pour parler de votre vie privée, pour toucher les gens, vous pouvez venir sur les plateaux ou alors rester chez vous à la maison tranquillement. Ça se passe en téléphone, par conférence, live ou enregistré, c'est vous qui voyez. Je vous attends sur les plateaux de Congo Synthèse. C'était Patti Anzambe Queen P. À bientôt, merci. Je viens parler de réalité tout en douceur. Petit à petit, on va rentrer dans la profondeur. On n'est pas là pour caresser dans le sens du poil. La vérité, tu le veuilles ou pas, elle se dévoile. On vient pointer du doigt ce qui se passe dans la communauté. Car le sujet est toujours d'actualité. Bonjour ou bonsoir et bienvenue dans votre émission Les Merveilles de la Vérité. C'est Patti Anzambe Queen P. Aujourd'hui, on est là pour parler de l'amour de Dieu, de la puissance de Dieu, de démontrer à quel point il est grand, il est magnificent, il est bon. Son amour dure à toujours. Pour toi, il ne dort pas. Je ne sais pas ce que tu traverses aujourd'hui, mais laisse-moi te dire qu'avec Dieu, ça va se terminer. Ce problème qui pour toi te paraît être la fin, ce problème qui te paraît peut-être être impossible à régler, dis-toi qu'avec Dieu, tu vas le surmonter. Dieu donne la force, Dieu donne l'amour, Dieu donne la sagesse. Il t'apportera la stratégie. Il te mettra dans la trajectoire pour que tu puisses surmonter cette chose-là qui te paraît impossible aujourd'hui à traverser. Dieu est bon, sa puissance n'a pas de limite. Il n'y a rien qui peut arrêter Dieu, même pas la mort. Il n'y a rien qui puisse arrêter Dieu. Tu es le témoignage vivant
Tu es le témoignage vivant. Malgré les problèmes que tu as eus, que tu as traversés dans ton passé, le fait que tu sois encore en vie, cela te démontre à quel point Dieu a la main sur toi. Dieu t'aime. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu est avec toi. Avec tout ce que tu as traversé, tu es encore en vie. Considère-toi fort. Dieu t'aime et ne t'a pas abandonné. Je ne sais pas quel problème aujourd'hui te fait pleurer, te fait craquer, te fait désespérer. Mais avec Dieu, Dieu merci, il y a de l'espoir. Je vais commencer par prier. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je fais ma prière. Éternel des armées, merci parce qu'aujourd'hui encore, tu nous donnes la vie. Éternel des armées, merci parce qu'aujourd'hui encore, par le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu nous donnes la force, tu nous as libérés de la condamnation, tu nous as libérés de la mort et du péché. Et avec toi, nous avons l'assurance que nous allons y arriver, que peu importe l'obstacle, que peu importe la persécution, peu importe le problème, peu importe la maladie, peu importe les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons, tu changes le temps et les circonstances, tu apportes la solution, tu apportes le remède, tu vas là où les docteurs n'arrivent pas à passer, éternel des armées. Toi, devant tes yeux, rien ne peut être caché parce que tu es le Créateur. Tu agis dans la profondeur, tu agis, tu relèves, éternel des armées. C'est toi qui abaisse et c'est toi qui relève, éternel des armées. C'est toi qui appauvris, c'est toi qui enrichis, éternel des armées. Je sais qu'aujourd'hui tu vas toucher le cœur de tes enfants, tu vas toucher le cœur de tes enfants, l'âme qui a besoin d'être relevée. Éternel des armées, être affaibli devant toi ne signifie rien parce que toi tu peux tout, rien n'est impossible à toi, éternel des armées. Tu es le Dieu de l'intelligence illimitée. Là où l'intelligence des hommes s'arrête, c'est là où toi tu agis, tu te mets debout en tant que Alpha. Et tu termines l'histoire parce que tu es Oméga. Que ton nom soit béni, éternel des armées, parce que toi, tu as pris possession de cette émission du début jusqu'à la fin. Je sais que tu es contrôlé par le Saint-Esprit, éternel des armées. Je sais que tu me donnes la puissance, la force, une langue exercée pour que je puisse soutenir par ta parole celui qui est abattu, éternel des armées. Rien n'est impossible à toi et tout est possible à celui qui croit, papa. Merci pour la force. Merci pour la paix que tu nous donnes à travers ta parole, éternel des armées. Merci parce que ta parole, éternel des armées, nous montre le chemin, nous guide, nous relève, éternel des armées. Aide-nous à pratiquer ta parole. Aide-nous parce que quand nous sommes fatigués, papa, quand on vient vers toi à genoux, éternel des armées, tu nous apportes la force. Quand on vient devant toi, Seigneur, désespéré, éternel des armées, tu nous montres l'espoir à travers ton amour, à travers ta parole, éternel des armées. Quand on vient devant toi fatigué, éternel des armées, tu prends nos charges, éternel des armées, et tu nous donnes la paix en échange. Tu es un Dieu d'amour, papa. Aide-moi à démontrer à travers ces enfants aujourd'hui qui sont fatigués, à démontrer ta puissance, à démontrer à quel point, papa, tu es illimité au niveau de l'amour, au niveau de la puissance, au niveau de la force, au niveau de tout ce que tu donnes, éternel des armées. Tout ce qui se passe dans notre vie n'est que pour un temps, éternel des armées. Merci parce que tu nous as offert la vie éternelle à travers ton fils Jésus-Christ de Nazareth que tu as donné, qui est parti sur la croix, éternel des armées, mais qui ne s'est même pas plaint, éternel des armées, qui a supporté, éternel des armées, la persécution pour que nous soyons sauvés. Que ton nom soit béni, éternel des armées, parce que toi tu acceptes les gens tels qu'ils sont. Tu as dit dans ta parole, venez à moi tel que vous êtes. Tu ne juges pas, tu prends tel que nous sommes. Tu nous prends avec nos fardeaux, tu nous prends avec nos problèmes, tu nous prends tel que nous sommes, lourds, fatigués, papa. Et tu prends, tu te charges de nous, éternel des armées. Tu prends nos soucis et tu nous donnes la paix, tu nous donnes la joie. Tu redonnes le sourire, éternel des armées. Il n'y a que toi qui peux faire ça, c'est pour ça que je le dis. Nul n'est comparable à toi, éternel des armées. Merci parce que tu es debout, éternel des armées, et que pour nous, tu ne dors pas. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Que ton nom soit béni, papa. Que ton nom soit béni pour cet amour que tu me démontres encore aujourd'hui à travers le souffle de vie et la santé. Père, merci. Quand je vois dans le monde tout ce qui se passe, papa, je peux que te glorifier et me sentir privilégié parce que je suis en vie, éternel des armées, et je suis à un endroit, éternel des armées, où il y a, Seigneur, il n'y a pas ce qui se passe ailleurs, éternel des armées. Il y a des guerres, il y a tellement de choses qui se passent, la famine, la souffrance, mais éternel des armées, tu m'as mis à part, éternel des armées. Je te remercie, éternel des armées, pour ta main sur ma vie, sur la vie de ma famille, sur la vie de nos familles, de nos enfants, éternel des armées. Je laisse cet instant entre tes mains, papa. Tu as le contrôle parce que je sais que je peux tout par celui qui me fortifie. Éternel des armées, merci. Que ton nom soit béni. Amen. Mon frère, ma soeur, ne désespère pas. Peu importe le cas que tu traverses, ah non, tu es un témoignage vivant. Parce que quand tu regardes en arrière, tout ce que tu as vécu, tu as survécu, tu es encore en vie. Ah oui, toute expérience que l'on traverse, c'est pour nous donner la force, c'est pour nous apporter la sagesse aussi. Mais demande la sagesse qui vient d'en haut pour continuer, pour ne pas faire les mêmes erreurs, pour ne pas retomber, pour ne pas, comment dire, tomber dans le péché. Peu importe la déception que tu as, peu importe le cœur dans quel état il est, dis-toi que devant Dieu, quand Dieu prend tes problèmes en charge, il les prend entre ses mains, il les écrase.
un problème qui te paraît énorme devant Dieu, qui est grand, c'est rien pour lui, c'est une poussière ton problème. C'est pour cela que Dieu dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Il est sûr de lui parce qu'il est puissant. Il est sûr de lui, il est puissant, il est grand, il t'aime avec tes problèmes, il t'aime avec ton passé, il t'aime avec tes charges, il t'aime avec tes jugements, il t'aime avec ta culpabilité que tu as au fond de toi. Dieu ne te juge pas, Dieu t'aime tel que tu es, venez à moi tel que vous êtes. Dieu va te transformer, Dieu va changer ta vie, Dieu va changer ta vie. Il faut que tu aies la foi, il faut que tu aies la foi, la ferme assurance. Il faut que tu aies la foi que les choses vont changer, il faut que tu changes tes pensées, que tu renouvelles tes pensées. À travers la parole, tu vas être régénéré, tu vas être fortifié. Mon frère, ma soeur, tu vas être fortifié. La parole, c'est comme un médicament. Tu le bois le matin, tu le bois le soir. Tu dois méditer, tu dois écouter les prédications. Tu ne peux pas sous-estimer Dieu. Quand tu es un enfant de Dieu, que tu restes avec tes problèmes, ça veut dire que tu ne connais pas la grandeur de ton Dieu. Ce n'est pas normal que tu aies des problèmes, tu connais Dieu. Mais que tu sois à un point aujourd'hui où tu es en train de craquer. Le diable est un menteur. Tu sais que le diable est un menteur. Tout ce que tu ressens aujourd'hui, ce n'est pas de Dieu. Le désespoir, la fatigue, le découragement. Tu te sous-estimes, tu te laisses aller. Pourquoi? Tu es une créature de Dieu, réveille-toi. Mon frère, ma soeur, réveille-toi. Ne te laisse pas décourager par les problèmes. Dieu va les prendre, va tout changer. Si tu crois, si tu le suis, si tu te mets à genoux, si tu ouvres la parole de Dieu. Est-ce que tu as la foi? Pour voir les choses changer, il faut croire. Est-ce que tu as la foi? Dieu va changer ta vie. Dans la vie d'un chrétien, il n'y a pas de hasard. Si tu vois ce message, c'est que les choses vont changer. Derrière la persécution, derrière les problèmes, il y a souvent la bénédiction. Dieu ne peut pas t'apporter l'exaucement à tes prières sans t'avoir testé. Tu veux être avec Dieu, tu veux marcher avec Dieu, il va te tester. Il va te tester. Mais Dieu n'est pas un menteur. S'il t'a dit qu'il va t'apporter la chose là que tu as demandé, il va te l'apporter. Mais il va te tester. Si aujourd'hui tu vois que la promesse ne s'est pas accomplie, Dieu n'est pas un menteur. C'est que toi tu t'es fatigué, c'est que tu as laissé tomber, mon frère, ma soeur. Tu as laissé tomber. Dieu n'est pas un menteur. Il ne ment pas. Il ne ment pas. Quand il a envoyé son fils Jésus est allé sur la croix, jusqu'à la croix. Mais avant d'arriver sur la croix, vous-même vous connaissez l'histoire. Tout ce qu'il a vécu, Jésus. Tout ce qu'il a fait, et pourtant quand il est venu sur la terre, il a démontré son amour, il a démontré la puissance de Dieu, il a démontré l'amour de Dieu, il a démontré la grandeur de Dieu, il a démontré que son Dieu est le Tout-Puissant, que son Père est vivant. On ne prie pas un Dieu qui est mort. Avant d'aller sur la croix, Jésus a accompli des exploits. Malgré tout, avant de se faire crucifier, le jour où il allait vers la croix, il s'est fait moquer, gifler, cracher dessus. Il y avait de l'ironie. On l'a sous-estimé, c'était le Fils de Dieu. C'est le Fils de Dieu qu'on a sous-estimé, qu'on a persécuté. Mais il a supporté, il ne s'est pas plaint. Il a supporté pour toi, pour moi. Quelle chose toi tu es en train de traverser que Jésus n'a pas traversé pour toi? Il a supporté pour toi, pour que tu puisses comprendre que tout ce que tu traverses, là moi je l'ai traversé et j'ai survécu. Il a survécu. Il est monté sur la croix, malgré que le diable croyait qu'il en avait fini avec Jésus. Jésus n'est pas venu sur la terre pour satisfaire le diable. Il est venu te sauver du jugement. Il est venu te sauver de la condamnation. Il est venu te sauver de la malédiction. Il est venu te sauver de la culpabilité. Il est venu te sauver de tes problèmes, te montrer que même s'il y a des problèmes, il y a des solutions. Et la solution, c'est le Père. C'est pour ça que Dieu dit dans sa parole, « Nul ne peut venir à moi sans passer par Jésus. » Jésus est venu sur terre, il est allé vers le Père. Tu veux aller vers le Père, tu dois regarder à Jésus, la façon dont il a vécu, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a démontré. Jésus est parti sur la croix. Et avant de donner son dernier souffle, il a dit, tout est accompli. Dieu ne ment pas. Le plan de Dieu, c'était la résurrection. Jésus est mort, il est ressuscité. Il est ressuscité avant de monter au Père. Marie l'a vu, il est ressuscité. Il est apparu devant les disciples. Il est ressuscité. Ça veut dire que tes problèmes doivent finir. Parce que Dieu est un Dieu vivant avec lui. Il n'y a pas de limite. Le diable est un menteur. Il n'y a pas de limite. Ils ont voulu rabaisser Dieu, ils ont voulu rabaisser Jésus en se moquant de son fils. Ils disaient qu'il était le fils de Dieu avant d'être mis crucifié sur la croix. Personne ne le croyait. Mais quand il est ressuscité, la terre a tremblé quoi. La terre a tremblé. Le temple s'est divisé. La terre a tremblé. Jésus, Dieu est puissant. Ton problème pour lui ce n'est rien.
C'est à toi de savoir la grandeur de ton Dieu. Quand je parle comme ça, je suis trop sûre de moi, je suis trop sûre de mon Dieu. Ah ouais, je suis trop sûre de mon Dieu, c'est lui qui m'a délivrée, qui me donne le zèle aujourd'hui, qui me donne l'assurance, qui me donne la force, parce que je peux tout par celui qui me fortifie. Je sais que peu importe le problème, et les kanango, comme on dit chez nous, quelle chose n'a pas de fin, toute chose a une fin. Tu vois, dans Ecclésiaste au chapitre 3, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour se lamenter, il y a un temps pour danser, il est temps que tu danses, il est temps que tu rigoles. Avec Dieu, tu ne peux pas rester attristé comme ça toute ta vie. Tu ne peux pas. Dieu est le Dieu de l'intelligence illimitée, le pouvoir. Quand tu regardes la nature, tu vois que Dieu est un Dieu de longévité, est un Dieu illimité, d'intelligence illimitée. On peut le voir à travers les saisons, illimité. On peut le voir à travers la création, l'être humain. Il vit, il naît, il vit, il meurt. Un autre naît, un autre vit, un autre meurt. La continuité, l'intelligence illimitée. On le voit chez les animaux aussi, pareil. La reproduction, il y a tellement d'espèces. Dieu a l'intelligence illimitée. Il n'y a pas de choses qui puissent limiter Dieu. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Crois en ton Dieu. Crois en ton Dieu. Si seulement tu le connaissais. Quand tu arrives à un point où tu sens que tu es à bout, la parole de Dieu reste la même. Elle est la même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu ouvres la parole de Dieu. Dévore la parole de Dieu. C'est celle qui apporte, comment dire, le changement. Qui apporte, qui stoppe l'hémorragie, si je puis dire. Quand tu arrives à bout, c'est comme si tu avais l'impression de perdre ton sang. Mais la parole de Dieu, c'est la vie. La parole de Dieu arrête l'hémorragie. La parole de Dieu arrête la dépression. La parole de Dieu arrête la condamnation. La parole de Dieu arrête toutes les critiques, les jugements, toutes choses là qui te paraissent sans fin. La parole de Dieu a arrêté même la persécution parce qu'il a dit que tout est accompli. Jésus est mort, il est ressuscité. Il est ressuscité. Tu vois ce Dieu-là que je prie, c'est ce Dieu-là qui a fait que durant l'accident que tu avais eu, tu as été préservé. Ce jour-là, les choses, tu ne pensais pas qu'elles allaient se passer ainsi. Tu attendais tranquillement. Une voiture est venue et est venue droit vers toi. C'est Dieu qui t'a protégé. Quand il y a un accident, que tu te sors, mais tu vois que d'autres sont morts et que tu es encore vivant, ça c'est Dieu. Malgré le fait que tu es un pécheur, Dieu te protège. Dieu t'aime, Dieu te garde, Dieu te préserve parce que ce n'est pas ton moment. Dieu a tellement de choses à faire avec toi dans ta vie, à te démontrer qu'il est le Tout-Puissant. Que malgré les malédictions, malgré tout ce que pensent les gens de toi, malgré ce que tu penses, il va te montrer déjà que tes pensées ne sont pas ses pensées. Il va changer ta vie. Ce n'est pas le moment pour toi. Arrête de désespérer, arrête de pleurer, arrête de croire que tout est fini. Une déception amoureuse ne veut pas dire que tu vas rester comme ça toute ta vie. Ne veut pas dire que tu dois te lamenter sur ton sort. Certaines séparations sont en fait une délivrance. Dieu a de meilleurs plans pour toi. Quand Dieu te retire d'une situation, d'une relation où tu n'étais pas heureux, tu n'étais pas heureuse, c'est pour t'apporter le meilleur. Car je connais les plans que j'ai formés pour vous. Plans de bonheur et non de malheur. De l'avenir, de l'espérance, c'est tout ce que Dieu va t'apporter. Une vie meilleure que ton passé. Dieu ne juge pas. Peu importe si on t'appelait prostituée, peu importe si on t'appelait Ndoki, avec Dieu, Dieu libère de tout ça. Parce que Jésus n'est pas venu pour juger les pécheurs. Au contraire, il est venu pour les sauver. Ta vie, remets-la entre les mains de Dieu. Tes problèmes, peu importe le problème, quelle est cette chose que Dieu ne peut pas régler? Quelle est cette chose que Dieu ne peut pas régler? Aujourd'hui, tu as des problèmes de justice? Laisse-moi te dire que même dans les moments où il y a la condamnation, où le monde veut te juger, où le monde veut t'enfermer, Dieu ne t'abandonne pas. Dieu ne t'abandonne pas. Moi, tu vois, je parle comme ça, j'ai la conviction parce qu'à travers tout ce que j'ai vécu, j'ai vu la main de Dieu m'épargner, m'enlever de toute chose que le monde voulait, le monde voulait me bloquer, le monde voulait me stopper, le diable voulait pas que je puisse un jour parler ainsi pour te donner la force et te dire de continuer à croire, parce que je sais que ta vie va changer, je sais que ta situation va changer. Si tu le veux, si tu crois en Dieu, tout est possible à celui qui croit. Si tu as la foi, tu verras que la vie, la situation va changer, ta vie va changer. J'ai la foi. Je suis partie en justice, je me souviens, il y a une année, j'ai été accusée de cambriolage. Parce que dans la vie, il faut savoir aussi choisir ses fréquentations. J'ai été accusée de cambriolage. Quand la police m'a arrêtée, auparavant, j'avais déjà un dossier. Pour certaines bêtises que je faisais, j'étais païenne.
Je me suis fait arrêter. On m'a gardé en garde à vue pendant un temps, histoire de savoir si oui ou non j'étais coupable par rapport au cambriolage. C'était la fin pour moi. Pour moi, j'avais l'impression que, ok, c'est bon, je vais partir en prison. Parce que ce n'était pas la première fois que je me faisais arrêter. J'avais déjà dormi en garde à vue plusieurs fois. Donc là, pour eux, c'était bon. Ok, ils se sont dit, on va l'arrêter cette fois-ci. On m'a gardé en garde à vue. Ils m'ont posé tellement de questions. Ils sont partis chez moi. Ils ont fouillé mon appartement. Au final, ils ont conclu qu'il fallait que je sois jugée. Le procureur voulait en tout cas que je passe en jugement pour qu'il puisse déterminer d'un temps pour que je puisse rester en prison, histoire de connaître la leçon. Mais tu sais que le plan de Dieu, ce n'est pas le plan des hommes. Le plan de Dieu n'est pas le plan des hommes. Quand Dieu dit que je... Donc, plan de bonheur, ce n'est pas des plans de condamnation, ce n'est pas des plans de prison. Peu importe ce que disent les hommes. Mais moi, à cette époque-là, je ne connaissais pas Dieu dans sa profondeur, mais je ne lâchais pas la Bible. Dans cette situation-là, je tremblais, j'étais désespérée. Mais la Bible était toujours là avec moi. Dieu était en moi. Le Saint-Esprit me guidait, me parlait, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Matthieu 10, 19. Regarde ce que dit Dieu. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. À l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. C'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Matthieu chapitre 10, au verset 19. Dans chaque moment que tu traverses, Dieu est avec toi. C'était difficile à ce moment-là parce que je m'étais arrêtée plusieurs fois. Je me suis dit, ça y est, c'est bon. La police m'avait dit, tu dois faire 3 mois de prison. Comme tu vas partir, là, vu qu'on t'a arrêté plusieurs fois, le minimum dans ces cas-là, c'est toujours 3 mois. Je suis partie au jugement. J'avais tellement peur parce qu'à cette époque-là, j'avais ma fille. Je me suis dit, ça y est, c'est terminé. Ils vont me la prendre, quoi. C'était une leçon, quoi. Je suis partie au jugement. J'ai écouté les juges parler, les juges étaient étonnés, quoi. Ils m'ont dit, mais c'est un peu bizarre parce que l'apparence que tu as avec tous les problèmes là, tous les cas pour lesquels on t'a arrêté et pour laquelle aujourd'hui tu te fais juger, ne va pas du tout avec ce qu'on voit là. Ça ne va pas à l'apparence et tous les petits délits là que tu as commis. Mais aujourd'hui tu te fais arrêter pour cambriolage. Cela veut dire que tu dois savoir faire le tri dans tes fréquentations. Il est important de prendre le temps des fois, de prendre des décisions. Savoir avec qui tu peux traîner, savoir qui tu vas laisser dans ta vie. Parce qu'il y a des gens qui viennent avec leurs problèmes et ça te colle à la peau. Tu n'as rien à voir dedans, mais tu traînes avec des gens, ils ont leurs problèmes, mais ça te colle à la peau. Et des fois même, Dieu te prévient. Tu marches avec des gens, eux-mêmes rentrent en prison. Dieu veut t'avertir que cette chose-là que tu es en train de faire, tu peux finir aussi comme lui ou comme elle. Dieu t'épargne, malgré tout. Parce qu'il a besoin de toi, parce qu'il veut se servir de toi, il va t'épargner. Dans la condamnation des hommes, Dieu est toujours là. Il va t'indiquer comment parler parce que toi, tu as la Bible. Il est là avec toi, même si tu ne le connais pas. C'est pour ça que malgré toutes les situations que tu traverses, tu ouvres toujours la Bible parce que Dieu, il est en toi. Il est avec toi. Il te guide. Quand les juges avaient décidé, avant de faire la délibération, ils m'avaient dit, tu vas faire 3 mois. 3 mois de prison. Parce que là, c'est trop. Il faut que tu retiennes la leçon. Tu es une mère. Le métier que tu fais aujourd'hui, t'as été accusé de cambriolage, ça va pas aller. Donc en fait, ça allait faire un grand blocage dans ma vie parce que je travaillais à l'époque avec des personnes âgées en tant qu'auxiliaire de vie. Donc en fait, ça allait me bloquer. En étant arrêté pour cambriolage, travailler avec des personnes âgées, c'est pas trop possible, quoi. Ça allait me bloquer à un point, mais Dieu merci, le plan des hommes, c'est pas le plan de Dieu, quoi. Les juges, après la délibération, ils sont revenus. J'avais le cœur qui battait, quoi. Je me suis dit, mon Dieu, je vais partir 3 mois. Ma fille, elle va être enlevée au foyer. Elle va avoir une vie de foyer, de social. Je ne voulais pas ça. J'avais peur, je tremblais. Je me suis dit, non, la prison, c'est comment, c'est quoi? Allez, Dieu m'indiquait comment parler. Je parlais. Le mec, il m'a donné des conseils. Et quand le juge parlait, j'avais l'impression que c'était Dieu qui me parlait. Il me donnait des conseils. Il me parlait comme si un père parle à sa fille. Il me parlait et j'ai reçu ça vraiment, mais en plein cœur, quoi. Ils ont décidé. Le procureur a dit, bon, on va te laisser une chance. Les 3 mois, tu ne vas pas les faire. Mais pendant 5 ans, pas de bêtises. Si pendant 5 ans, par malheur, tu te fais arrêter, là, tu vas faire les 3 mois. Le plan de Dieu, ce n'est pas le plan des hommes. Dieu peut t'épargner d'une situation où tu sens que non, c'est la fin, c'est terminé. Avec Dieu, ce n'est pas terminé. Quand Dieu est dans ton problème, ce n'est pas terminé. Mais ça, tu ne le sais pas parce que tu ne crois pas, parce que tu ne connais pas Dieu dans sa profondeur. Tu ne connais pas la puissance de Dieu, l'amour de Dieu. Dieu t'aime malgré tout ce que tu penses de toi, malgré tout ce que tu crois. Ah, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Il ne t'abandonne pas. Comme il n'a pas abandonné son fils, il a été avec lui jusqu'au bout.
Aujourd'hui, Jésus est auprès du Père. Il est avec nous en esprit. Il est avec nous en esprit. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Ce n'est pas vrai. Je pense que ta situation va se terminer si tu te réaccroches à Dieu. Parce que quand on reste désespéré, on est dans le désarroi et qu'on connaît Dieu, ça veut dire qu'on s'est détaché, on a coupé la connexion. La prière, les louanges, les cantiques, il y a tellement de choses qui nous rattachent à Dieu. Les proclamations, la positivité, ce qui ramène les bonnes choses aussi. La proclamation, des bonnes paroles ramènent aussi des bonnes actions, des bonnes pensées, des bonnes choses quoi. Ne te laisse pas déstabiliser par ces problèmes. Le diable est un menteur. Le diable veut que tu te concentres sur des choses que Dieu, quand il prend ça entre ses mains, ça y est, c'est terminé. Tu passes à autre chose. Je t'assure, derrière la persécution, il y a les bénédictions. Ne désespère pas. Tu as demandé une prière. Dieu a mis une situation devant toi. Il veut te tester. Il veut voir si tu l'aimes, si tu seras avec lui jusqu'au bout. C'est parce que derrière beaucoup de persécutions, on ne se rend pas compte que tout ça, c'est aussi l'amour de Dieu. Il veut te faire grandir. Il veut que tu comprennes que non, tu n'as pas encore assez de maturité par rapport à ce que tu demandes. Il te faut un certain caractère. Dieu ne va pas te donner l'argent, par exemple, si tu n'as pas la sagesse, si tu n'as pas l'humilité. Tu vas devenir orgueilleux, tu vas faire n'importe quoi, tu peux même aller en prison parce qu'il te manque de la sagesse. Dieu est un Dieu intelligent, il réfléchit mieux que toi. Il est le créateur. Il te connaît mieux que toi-même. Ce que tu demandes là, il sait que pour le moment, tu n'as pas la capacité. Ne pleure pas dans les problèmes là que tu es en train de traverser. C'est un mal pour un bien parce que ce mal-là, ça va changer. Ça va changer. Dieu va tout modifier parce que Dieu réécrit l'histoire. Dieu te libère même de ton passé. Ah ouais, ça va changer, mon frère, ma soeur. Dieu est amour. Dieu est amour. Même après le décès d'une personne, la mort d'une personne, tu te sens, attristé. Ne reste pas dans la tristesse. Ça, c'est la condamnation. C'est vrai qu'il faut un temps pour oublier. Mais avec la prière, tu te sens apaisé. Avec la prière, tu comprends que Dieu est là pour les orphelins. Dieu est là pour les veuves. Dieu est celui qui a le regard sur les malheureux. Il entend leurs cris. Regarde ce qu'il nous dit dans sa parole. Dans le psaume 34, au verset 7. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Si tu as la foi, si tu t'accroches à Dieu, tu vas retrouver la paix. Tu vas retrouver le sourire malgré la mort de cette personne que tu pleures jusqu'aujourd'hui. Mais si tu te retournes, parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. Mais quand tu fais le contraire de la parole de Dieu, tu vas en subir les conséquences. Je répète encore, psaume 34, verset 7. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Dieu ne te laissera pas comme ça inconsolable toute ta vie. Si tu en es comme ça aujourd'hui, ça fait des années que la personne est partie, mais tu es inconsolable. C'est parce que tu veux rester inconsolable. Parce que Dieu donne la vie. Dieu donne le sourire. Dieu, il entend le cri des malheureux. Mais toi, tu n'entends pas l'appel de Dieu. Tu n'entends pas la consolation de Dieu. Tu ne veux pas de consolation. Tu veux qu'on te plaigne jusqu'à quand? La mort fait partie de la vie. Il faut que tu te réveilles. Il faut que tu réagisses. Toi, maintenant, il faut que tu continues à vivre. Parce que Dieu a des plans avec toi. Il faut que tu arrêtes de pleurer. Dieu a des plans avec toi. La mort faisait partie de ses plans. Il faut que tu grandisses. Ce que j'ai appris après la mort de ma mère, à réaliser que je ne suis pas seule au monde. J'ai mes sœurs, il y a des gens autour de moi. Il y a des gens là-bas au pays, il y a la souffrance dans le monde. La mort, quand une personne meurt, ça y est, c'est terminé. Il faut laisser les morts avec les morts. Toi, maintenant, tu es en vie, occupe-toi de ta vie, de ton bien-être. Jésus est là pour toi, Dieu est là pour toi. Dieu est là pour toi, je t'assure. Je t'assure. Tu te détruis. Tu n'arrives pas à te sortir de l'addiction. Parce que des fois, quand on est déçu, on plonge dans l'addiction. La cigarette, l'alcool. La cigarette, souvent quand on est stressé. L'alcool, on veut oublier les problèmes. La distraction, on veut changer les idées. Mais le chemin que tu prends, ce n'est pas le plan de Dieu. Parce que Dieu, c'est le Dieu qui amène la consolation, qui amène la guérison. Dieu ne va pas te dire, va dans la distraction et tu auras la solution. Viens vers moi. Venez, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. C'est fatigant la distraction. L'alcool, c'est la débauche, c'est les dépenses, c'est la pauvreté, pour dire la vérité. Je sais de quoi je parle, j'étais dedans. J'ai fumé pendant, 20 ans. Pour arrêter de fumer, c'est trop dur. Mais avec Dieu, c'est possible. Tout est possible à celui qui voit. J'avais la détermination à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. J'avais la détermination en moi. J'ai dit, il faut que j'arrête de fumer. Ça m'a pris des années, je faisais que dire ça. C'était difficile, les gens autour de moi ne croyaient pas. Combien de fois elle va dire ça? Mais quand Dieu il rentre dans ton problème... Tu as fait appel à lui à genoux, mon Dieu, je vais arrêter de fumer. J'ai pris toutes les solutions possibles.
la foi, quoi, la détermination. Je suis rentrée dans un centre pour arrêter de fumer. C'est dans tous les, comment dire, les, normalement les pharmacies à Londres, elles ont ce programme-là. Tu vas arrêter de fumer, il faut que tu t'aides aussi, il faut que tu provoques les choses. Vas-y, il y a des gens qui sont spécialisés, qui sont là pour toi, pour te motiver aussi. Parce que des fois, seul, on n'y arrive pas, c'est pas possible, c'est pas facile. Il y a des spécialistes qui sont là, qui peuvent t'aider si vraiment tu veux arrêter. Parce que regarde comment tu es devenu aujourd'hui à cause de la cigarette. Tout fade, tout pâle, tout moche. La cigarette. Un paquet, il y a écrit dessus, ça te montre la mort. Fumer, tue. Tu t'aimes pas. Tu te maquilles, tu t'habilles, tu t'aimes pas. Tu te détruis la santé. Tu t'aimes pas. Tu bois parce que tu as des problèmes. C'est pas que tu bois. L'alcool te boit, te finit. Le diable te ment. Le diable. Quand tu n'es pas avec Dieu, tu es avec le diable. Parce que c'est pas Dieu qui va te dire, va te saouler si tu as des problèmes. Moi, je viens, je me charge de tes soucis. Pourquoi tu te plonges dans l'alcool? Je buvais trop avant. Pour moi, l'alcool, c'était comme le petit déjeuner. Je me réveillais, bouteille de Sky. J'allais à midi, au lieu de manger, bouteille de Sky, cigarette. Le soir, avant de dormir, il fallait que je sois défoncée. Je ne pouvais pas passer une journée sans être défoncée. Pour moi, être clean, c'était être face à mes problèmes. Au moins, avec l'alcool, j'étais dans un autre état. Je pensais à autre chose. Je me sentais bien, je me sentais cool. Mais il fallait voir comment j'étais devenue. Esprit de mort. Quand tu me vois dans les anciennes vidéos que je faisais là avant sur YouTube en 2015, et maintenant, comme je suis, je remercie Dieu. Aujourd'hui, je suis clean. Et tout ça, c'est grâce à la détermination, la foi. Je sais qu'avec Dieu, je peux, parce que je peux tout par celui qui me fortifie. J'ai la foi. J'ai la foi. Je sais que toi, tu peux si tu as la foi. Tu peux y arriver. Tu peux arrêter de boire. Tu peux arrêter de te détruire. Tu peux t'aimer, en fait. Parce que quand tu t'aimes, tu prends soin de toi. Tu te laisses pas faire. Tu laisses pas le diable faire. Tu dis stop. Stop. Je veux plus de cette vie. Parce que c'est des dépenses. Tu n'arrives même pas à faire des économies. La drogue, l'alcool, fait que arriver même à la fin du mois, même en mi, donc, tu es arrivé peut-être le 15, tu n'as plus d'argent. L'alcool, ça coûte cher, la débauche, la pauvreté, ça attire tellement de liens derrière tout ça. Aujourd'hui, on t'a laissé juste parce que tu es devenu comme ça. L'alcool, la drogue. Il y a des gens qui s'éloignent de toi quand tu deviens comme fatigué de la vie. Alors que Dieu n'en a pas fini avec toi. Le choix, il t'appartient. C'est toi qui vas décider. Est-ce que tu veux vivre ou est-ce que tu veux mourir? Parce que la direction que tu prends, là, quand tu regardes tous les gens qui se droguent aujourd'hui, là, qui boivent à gogo, ils sont tous fatigués, ils sont tous fanés, ils sont tous éteints, ils sont tous amaigris, ils sont tous gâtés, pour dire la vérité. Ce n'est pas la même splendeur quand tu bois. Arrête de fumer, arrête de boire. Tu verras comment ta santé va se, comment dire, régénérer. Dieu va te régénérer avec la force qu'il va te donner. Moi, qui aurait cru que moi j'allais arrêter de boire? Bah, c'est un combo. On m'avait pointé du doigt, on s'est moqué de moi, on me jugeait. Les gens se moquaient de moi. Les gens, pour eux, ils se disaient, c'est terminé, celle-là, elle n'arrivera jamais. On me voyait toujours défoncé en soirée. Ridicule. Comment je me rabaisse l'alcool? Ça te rabaisse à un niveau. Le diable, c'est un menteur. Il sait ce qu'il y a en toi. Il sait que tu as de la valeur. Et pour t'écraser, pour t'éteindre, pour te finir, il te met l'addiction, la drogue, l'alcool. Tout ça, là, c'est juste pour t'éteindre. Éteindre ce qu'il y a en toi parce que tu ne sais pas ce qu'il y a en toi. Derrière tout ce que tu fais, là, toi, tu crois que tu es en train d'écraser tes problèmes. Tu écrases aux là, les sabbats, non. Tu écrases tes dents, en fin de compte. Comment tu peux être concentré? Comment le Saint-Esprit peut vivre dans, comment dire, dans l'alcool? Comment tu peux capter tout ce que Dieu te dit quand tu es défoncé? Dis-moi la vérité. Comment tu vas faire? Comment tu vas faire? Est-ce que Jésus peut vivre dans un corps où il y a l'alcool, où il y a la drogue? Est-ce que Jésus peut vivre dedans? Jésus est saint. Jésus est saint. J'ai réussi tout ça là. J'ai survécu. Je suis passée. J'ai compris que non, tout ça c'est parce que je ne m'aimais pas. Tout ça c'est parce que j'étais malheureuse. Tout ça c'est parce qu'il y avait beaucoup de choses que j'encaissais. Et je croyais qu'avec la cigarette ça allait passer. Avec la drogue, parce que des fois de temps en temps je fumais, comment on appelle ça, le chanvre quoi. Et je pensais qu'avec l'alcool, ben, ça pouvait me faire oublier. J'étais une autre personne, quoi. J'étais une autre personne, en effet. C'est un autre esprit qui est en toi quand tu es comme ça, que tu te détruis. La vie, elle n'est pas finie. Et tu ne vas pas la finir tant que Dieu... Tu peux faire tout ce que tu veux. Mais la volonté de Dieu, ça s'accomplit toujours. Peu importe ce que tu penses de toi, l'amour, la puissance de Dieu est illimitée. Moi, malgré tout ce que j'ai fait là, comme vie de destruction, quand Dieu m'a récupéré, mais j'ai choisi... La vie ou la mort, j'ai choisi la vie. Et Dieu me régénère de jour en jour. Change mon caractère, je ne suis pas parfaite. Mais si j'ai réussi aujourd'hui à arrêter de boire, de fumer, de sortir cette vie de distraction, au moins les gens aujourd'hui, ils me respectent. Ils voient le changement. C'est grâce à Dieu. Sans Dieu, je sais que moi, Patricia, j'étais faible.
faible. Mais Dieu merci, Dieu m'a régénéré, Dieu m'a fortifié. Aujourd'hui, j'ai l'assurance, quand je parle, je sais que non. Même devant la faiblesse, quand je fais appel à Dieu, il me donne la force. La tristesse, Dieu me donne la joie. Le stress, Dieu me donne la paix, quoi. La peur, Dieu me donne l'assurance. Quand tu fais appel à Dieu, il contredit tout ce que tu penses, là. En fin de compte. Mon frère, ma soeur, réagis. 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 Il faut que tu restes déterminé. Il faut que tu restes déterminé. La parole de Dieu, elle est là pour te guider. Si tu pratiques, tu verras un changement. Tu vois. Il faut que tu aies la foi pour voir un changement dans ta vie. Dieu dit dans sa parole, au psaume 34, verset 10, « Craignez l'Éternel, vous, ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. » Rien ne manque à ceux qui le craignent. Dieu a des plans pour toi. Et tout ce qu'il t'a dit, ça va s'accomplir si tu lui fais confiance, si tu reviens à lui. Parce que lui, ce n'est pas un menteur. Tout est accompli, tout s'accomplit avec Dieu quand on marche selon ses principes, selon ce qu'il nous dit. Psaume 33, verset 9. Car il dit, et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Il est celui qui a dit que la lumière soit et la lumière fut. Il ne ment pas. Ce n'est pas qu'il a dit que la lumière soit et il a attendu la lumière tinélo et akate. La lumière est là. La lumière est là. Dieu n'est pas un menteur. Il faut que tu sors de cette situation-là. Parce qu'en fait, le déclic, c'est toi qui vas le provoquer. Dieu agit, il ne dort pas, mais c'est toi qui décides. C'est pour ça qu'il dit, j'ai mis devant vous la mort ou la vie. C'est à toi de choisir. Tu veux la vie, c'est auprès de Dieu. Tu veux rester tel que tu es, tu vas finir par craquer. La dépression. Dépression, et même, ça t'amène à des idées de suicide. Dieu t'accepte comme tu es. Peu importe ce que dit le monde, peu importe les critiques, peu importe ce que pensent les autres, peu importe d'où tu viens, peu importe ton passé lourd tel qu'il soit, tu étais un assassin. Paul était un assassin, il persécutait les chrétiens. Mais il a écrit combien d'épîtres, combien de livres dans la Bible. Dieu change le temps et les circonstances. Il faut que tu aies la foi. 1 Jean chapitre 5, verset 4. Tout ce qui est né de Dieu triomphe de ce monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est votre foi. Tu vois, ta foi, elle va tout changer. Elle va tout déterminer. Ça peut durer des années, la situation dans laquelle tu es. Mais quand Dieu t'a fait la promesse, tu vas apercevoir la fin du problème pour arriver devant la bénédiction. Tu vois, Moïse, Dieu lui avait fait la promesse. Je vais sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Moïse était avec l'Éternel. À 120 ans, Moïse est mort. Mais avant de mourir, Dieu lui a montré la terre promise que Dieu avait promis aux enfants d'Israël. Pour lui montrer que toi, tu es fatigué, pour toi, c'est terminé. Mais après toi, dis-toi que ce que je t'avais dit, je vais l'accomplir. Joshua a pris la relève et les enfants d'Israël sont arrivés à destination. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. C'est ça qui est merveilleux avec Dieu. Même si tu te détruis, lui, il a un plan, en fin de compte. Si ce n'est pas pour toi, ça sera pour tes enfants. Réagis. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vais te laisser avec Hébreux, chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe. C'est logique. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est le rémunérateur. Il est la bénédiction. Il est la force. Il est le rémunérateur. Tout ce que tu as besoin quand tu le cherches, tu vas le trouver. Cherchez, vous trouverez. Quand tu cherches Dieu de tout ton cœur, tu vas avoir la paix. Tu vas avoir les solutions avec la patience. Dans l'attente, ne craque pas, ne désespère pas. Tu passes à côté de ta bénédiction. Tu as le choix. Soit tu réussis, tu restes déterminé. La détermination, c'est la conviction, c'est la foi, c'est la persévérance. Que peu importe le problème, je sais que derrière tout ça là que je suis en train de traverser, la parole de Dieu, elle va s'accomplir. Il y a l'accomplissement derrière tout ce que je traverse là. Ne te décourage pas, mon frère, ma soeur. C'était Patti Anzambe Queen P. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et à très bientôt. C'était les merveilles de la vérité.
Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com.